Kaya qui vient de California et on va parler aujourd'hui des résolutions de 2018. Chaque année, on faisait toujours, ouais, on va faire ci, on va faire ça. Donc du coup, on a trouvé ça drôle de dire, nous, quelles sont nos résolutions. Et personnellement, est-ce qu'on croit aussi aux nouvelles résolutions? Qu'est-ce que tu penses, toi, des résolutions? Eh ben, je pense que le mot résolution est un bien grand mot. Tout d'abord, parce qu'il s'agit de passer dans une nouvelle année, à chaque fois, on se dit qu'on va faire ci, qu'on va faire ça, qu'on va s'améliorer, qu'on va prendre plus soin de soi, qu'on va moins se plaindre. Mais au final, l'année tourne à sa fin et elle est trop sérieuse. Vous avez fait un truc argumenté, synthèse, plan d'introduction. Bref, résolution 2018. Franchement, perdre du poids. À chaque fois, j'essaie de perdre du poids. Il y a toujours un truc. Il y a les glaces. Après, c'est Noël. Donc, il y a toutes les bûches. Il y a tous les trucs foie gras, crevettes, je sais pas quoi. Oui, après, c'est Pâques. Oui, mais c'est des excuses. Non, avant Pâques, déjà, t'as la galette des rois. La galette des rois à San Francisco? Déjà en Suisse, oui, mais c'est pas pareil. C'est pas la frangipane. Donc, c'est comme du pain brioché chez nous, en fait. Ah oui, parce qu'elle habite à Californie, à San Francisco, mais c'est une Suissesse. C'est plus de la chocolat. Chocolat. Et toi? La perte de poids fait aussi partie de mes résolutions, comme chaque année, n'est-ce pas? Combien de temps qu'on essaie? Ça doit faire 15 ans. Donc, moi, je pense que c'est dans la tête et qu'il ne faut pas forcément se fixer comme objectif de perdre du poids, mais de changer de mode de vie et d'être plus strict avec soi-même tout en kiffant la life. De toute façon, t'as beau faire attention pendant une année, toi-même qui sais, si tu te lâches pendant un mois, en cours de jour, et ben ça t'a foiré tous tes efforts. Quand j'y perds du poids, en fait, c'est parce que là, je me sens bien dans mon corps. Mm-hmm. Mais je sens que quand je prends les escaliers, j'ai l'impression de porter Hulk. Tu comprends? Je me sens bien, mais c'est juste que si je me sentirais peut-être mieux avec 2-3 kilos au moins. Ou à 5. Mais j'aimerais bien aussi changer toutes mes mauvaises habitudes. J'ai trop de mauvaises habitudes. Et quand les trucs sont pas rangés à leur place, ça me stresse. Du coup, il faut que je me réveille et que je les rende pour me préparer. Arrête de dire ça devant la caméra. Genre, tu vois, si le verre, j'ai l'habitude de le ranger là et il est pas rangé. Mais il faut juste que tu t'assouplisses et que tu. Elle est insortable. Alors quand on est nous les deux. Bon alors c'est quoi toi? Être un peu plus positive en fait. Et je pense que je prends trop pour acquis ce que j'ai la chance d'avoir. Je pense que souvent on se plaint, enfin c'est un peu ma personnalité ici. Mais non du tout. Parce que je suis quelqu'un d'heureuse et quelqu'un de joyeuse, mais je pense que parfois j'ai tendance à être un petit peu négative. J'irai pas négative. J'avoue que tu te plains, mais j'irai pas négative. Tu te plains, mais genre ça reste pas non plus chiant. Mais donc du coup ça peut donner une mauvaise image de la personne que je suis vraiment. Et comme je suis quelqu'un qui s'ouvre pas forcément très vite aux autres, et eh ben quand tu creuses un petit peu, et ben de 1, je suis une folle, de 2. Je suis une folle et de 3 je suis une tarte. Moi il y a un truc aussi, il faut absolument que je change en 2018. Et ça je pense que tous mes potes vont applaudir. Il faut que je sois plus ponctuelle. Entre temps je l'attendais à l'aéroport. Non. Je viens de San Francisco, California. Ok. Je me tape 12 heures de vol à peu près de nuit. Donc moi j'ai 9 heures de décalage, j'arrive à Paris Charles de Gaulle, il était 10h45, c'est pas vrai parce que le temps que je change d'avion était 11h15, je lui écris à 10h45 en me disant que j'attends ma valise, et ben elle est arrivée à midi. Alors déjà... Alors qu'elle savait exactement à quelle heure j'allais arriver. Ouais mais c'était la veille de Noël, j'y dormais. J'ai sommeil lourd, j'ai pas entendu le réveil. Franchement, je suis pas ponctuelle quand même, mais c'est un truc de... J'arrive pas. Franchement, je suis à l'heure, je suis prête, je suis habillée et tout. Et je sais pas pourquoi, il y a comme un trou...
temporelle. Et genre, je vois l'heure, elle a dépassé. Je vois l'heure, elle est dépassée. Je m'attends, on avait rendez-vous là. J'ai dit putain, je pars à l'heure du rendez-vous. Mais franchement, je vais essayer de soigner ça, corriger ça, me soigner parce que franchement, j'ai vraiment un problème avec l'heure. La ponctualité. Ouais, on dit les noirs, souvent ils sont pas à l'heure, mais franchement, moi je dépasse le cliché là. Les critiques. Non, je constate. C'est pas de la critique négative, c'est de la méchant, critique constructive. Du sens où on va regarder un truc, on va pas tailler. Bon, on va tailler le plus. Mais ça va pas être trop méchant, tu vois. Ça va être du genre, on va dire, ah, pourquoi elle est habillée comme ça? Mais je pense que tout le monde le fait. Non, mais on le pense pas. Je suis désolée, mais il y a des gens ou des attitudes ou des situations qui sont propices à la constatation. Je suis désolée. Enfin, je veux dire, on nous assomme de télé-réalité. Non, mais télé-réalité, quoi. C'est devenu une vocation de nos jours. Hein. On est en 2018, tu veux faire quoi quand tu seras grande? Je veux faire de la télé-réalité. Non, mais et bah quand tu nous donnes de la bêtise comme ça, tu veux qu'on fasse quoi d'autre que constater? Ouais, je suis désolée. Tu le regardes massivement dans le sens où c'est un bruit de fond, quoi. Exactement. Voilà. C'est ça. Ouais, tu regardes la télé, tu critiques, tu dis elle a mis comment, elle a mis une robe, on dirait un saucisson. Bah, tu constates. Voilà, tu vois. Voilà, c'est ça. Avec des mots, des fois peut-être. La résolution elle commence là. Tu ne critiques pas, tu constates. Et sinon, les autres projets. Personnellement, moi, c'est de faire plus de vidéos, d'être plus réactif sur mes vidéos, pouvoir proposer des vlogs, faire des choses comme ça par rapport à mes voyages, un peu de lifestyle. Hein. En gros, du gros. Donc, tout, quoi, ouais, tout le truc. Activité extra-professionnelle. Bientôt, vous le savez. Bientôt, vous le savez. En tout cas, c'est tout pour nous. C'était notre petite vidéo pour nos résolutions de 2018. Merci de nous avoir écoutés. Et surtout, on vous souhaite une bonne année. Plein de choses, que le meilleur, plein de trucs. Plein surtout la santé, plein de vos projets. Voilà, donc n'oubliez pas de liker, partager la vidéo. Et surtout de commenter. Donc voilà, on vous fait de gros bisous et on se voit bientôt. Voilà, ah là, il faut pas faire.